difficulté que la police a gagné dans la question assurance et que le gouvernement travaille sous lit pour voir si que on peut améliorer la situation policière dans la question santé et pour le fait que nous avons assurance que toute police souhaite qui répondent vraiment à besoin de toute police et à la famille. C'est dans le même cas de ça que le gouvernement n'a cherché solution, dit en attendant, gagner une amélioration à porter pour nous. Et nous connaissons nous tous qui là, nous gagnons là, tout commandement l'Ouest là, qui ensemble avec nous, à haut commandement, comment c'est sous-directeur départemental là, parce que dans tout responsable commissariat et sous-commissariat, et l'Académie police, circulation qui là, et directeur central police administrative là, donc tout commandement représenté là, à commandement l'Ouest là. Yo tout qui là, nous connaît difficulté qui gagne là que nous gon cas nan men nous. Un policier qui victime d'un accident ou bien un policier qui prend balle, comment nous connait monter descendre et le cas ça arrivé c'est toujours tête chargée pour tout monde qui responsable de commissariat, bien responsable direction départementale. Je dis à passer son gros pas et nous profiter pour nous remercier président République là et premier ministre à tout gouvernement. Est-ce que nous voyons que vous commencez à penser pour nous, vous faites déjà à penser pour nous. On contrat et qui ça qui gagne la donne, c'est prise en charge tout policier dans le gros cas traumatique. Donc, accident véhicule et tout type d'accident. Et le policier tout atteint de projectiles à quel que soit niveau. Parce que nous connaissons ça fait des machos parce que c'est un yon l'hôpital, c'est l'hôpital qui gagne à disposition des équipements high-tech et tant que scanner, côté que gain de bagages qui fragile, surtout dans gros opérations et interventions chirurgicales qui capable aider policiers. Et nous-mêmes, personnel policier, nous connaissons nous-mêmes qui puis exposé à ce genre de cas, puisque c'est nous-mêmes qui avons couru des bandits chaque jour. Donc c'est nous-mêmes cap travaille pour protéger population à tout côté et bandi à lui-même le plus souvent policiers toujours attaqués par bandi. Donc nous pensons que ça pour moral nous monsieur qui là haut bien que nous bral au niveau de la presse notre policier bral ouais ça et nous même tout dans note que nous bral passer par tout commissariat dans pays puisque c'est l'ouest là qui représenté. Donc tout département pays a représenté mais au bral au courant de ça parce que service là pas pour l'ouest seulement li pour tout personnel policier. Donc merci encore une fois au nom de police nationale là à gouvernement, à président, à gouvernement qui était pensé avec nous pour faire nous joindre jodi a pour faire nous franchir première étape ça dans question santé pour policier yo. Nous pensons que et nous espérons que ça va continuer puisque policier yo question assurance là donc c'est un gros morceau revendication yo qui a tant pour une amélioration là dedans. On pas quoi meilleure action que monde ka poser en terme de œuvre sociale si c'est pas des actions visant à la conservation des vies. Donc c'est ça qui explique que le ministère de la santé publique a pas accompagné démarche là qui c'est une idée qui vient de président de la République là et que premier ministre a décidé entériner. La entériner non pas en tant que ministre, premier ministre seulement, mais surtout en tant que ministre du plan. Parce que tout accord qu'a gagné avec interinstitutionnel au niveau gouvernemental, ministère du plan, c'est lui-même qui pour bail blessing, bénédiction pour que ça capable faite. Donc nous pourrons assister à la signature d'un protocole d'entente qui pourra exister entre le ministère du plan à travers son premier ministre qui fait aussi office de ministre du plan, entre l'hôpital Bernard Meuse et entre la police nationale haïtienne. L'idée à ce qui ça, parce que DG Police a dit clairement, l'idée à ce que nous connaissons, nous miser en pile sous action police nationale d'Haïti. Et si nous miser en pile sous action police nationale d'Haïti, nous sommes d'accord tout, que nous avons un degré de risque qui est beaucoup plus élevé que le banal citoyen haïtien, puisque c'est eux-mêmes qui servent d'interface entre population haïtienne et toutes sortes de banditisme qui a passé dans la société panne. Donc pour cela, même si ils ont assurance qui couvre
peut-être les policiers et leurs familles, mais il y a des assurances, je dois dire, il y a des garanties spécialisées pour nous bailler corps là, pour être capable de faire travail là avec plus d'efficacité. Parce qu'assez souvent, nous comprenons que humainement, un policier qui, face à un bandit, capable peut-être d'avoir un petit peu de retrait par rapport à une action que l'on a menée pour contrecarrer le bandit, le pas connaît si on va arriver le côté le pralé. Donc c'est un bagage qui est extrêmement important que nous avons fait aujourd'hui pour permettre que les policiers commencent par sentir eux-mêmes une prise en charge pour qu'ils soient capables d'accomplir la mission que ils ont choisi pour remplir dans la société panne. Geste ça qui fait aujourd'hui là, c'est une façon pour assurer que les policiers nous qui exposés à toutes sortes de dangers dans le cadre de travail, ils sont capables de recevoir une couverture médicale en ce qui concerne traumatologie et soins d'urgence. L'hôpital Bernard Meuse et Medicher rentrent dans un accord il y a 4 ans de cela après le tremblement de terre là, qui vient bailler l'hôpital Bernard Meuse capacité pour être capable de répondre de façon efficace à urgence et trauma en Haïti. Dans le cadre partenariat, ça, il y a un renforcement technique et matériel qui fait dans l'hôpital là. Jean-Ministre l'a dit, l'hôpital là est doté de 11 scanners, il est doté d'appareils, de salles d'opération qui vraiment est high-tech et tout genre de soins intensifs et tout ça. Donc, moi, je pense que la police nationale a satisfait de services que nous allons recevoir dans l'hôpital Bernard Meuse. Professionnels qui sont Bernard Meuse sont déjà prêts pour accueillir les policiers. Yo. Encore, je m'a dit, même avec le ministre Guillaume, nous n'avons pas souhaité que les policiers soient blessés ou bien que soient en danger dans le cadre de travail. Yo. Mais si jamais que ça t'a reproduit, qu'on est que l'équipe Bernard Meuse est prêt techniquement, matériellement et moralement pour répondre à la responsabilité qui est signée dans le cadre d'apposage.